Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Charles, ou alors du roi Charles III et du prince Harry. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, j'avais fait une vidéo sur le fait que le prince Harry avait été, il lui avait été interdit de porter son uniforme et que seuls les membres de la famille royale, qui eux n'avaient jamais servi dans l'armée, n'avaient jamais été au combat, porteraient des uniformes et des fausses médailles. Donc, je m'étais insurgée contre ça et j'étais vraiment choquée. Donc, apparemment, devant à la pression de tout le monde, y compris des médias qui eux-mêmes passent leur temps à taper sur le prince Harry, mais qui ont reconnu que quand même il y avait une certaine injustice, qu'il ne porte pas son uniforme pour sauver la reine alors qu'il a fait 2 tours en Afghanistan, il a servi au combat et en plus de ça, il a fait 10 ans dans l'armée. Devant cette pression-là et d'autres personnes, fans de Harry et Meghan, le roi Charles a cédé. Le prince Harry va porter son uniforme lors du dernier hommage à la reine. Il faut aussi rappeler qu'il a cédé parce que si on avait pris des photos comme la dernière fois lors d'une marche avec le coffin de la reine d'Angleterre, il était trop évident que le prince Harry ne portait pas d'uniforme. Et là, ça avait choqué plusieurs personnes. Donc, par exemple, cette photo que je vous montre, tous sont habillés d'uniforme, sauf le prince Harry et Andrew. Et là, le prince Harry se trouve au milieu d'un groupe de personnes qui n'est jamais allé à la guerre, comme je le répète, n'a jamais été au combat, mais qui porte des médailles, des fausses médailles honorifiques. Donc, voilà, il a changé d'avis. Là, maintenant, on est en train de dire que oui, le roi Charles, ce magnifique roi, a eu la bonne idée de changer d'avis. Il est gentil et généreux. Non, il faisait ça pour lui parce qu'il se rendait compte que ce serait tellement embarrassant pour lui que le seul combattant de la famille ne porte pas ses médailles et le peuple anglais aurait critiqué. Voilà. Donc là, il n'est pas généreux avec quelqu'un. Il ne fait que sauver sa peau, sauver la famille royale de l'embarras. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.